Bonjour, c'est Isos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Incroyable, où suis-je finalement? Je ne suis pas dans mon studio habituel. Les plus informés l'auront reconnu, vous savez très bien dans quel studio je suis. Je suis actuellement chez Cadillac et Dinosaur Music pour tourner un nouvel épisode de Une après-midi, un son. Non, j'ai jamais changé le titre du concept finalement. Mais vous avez eu des bonnes idées, vraiment. Je le rappelle très rapidement pour les personnes qui n'auraient pas vu la vidéo précédente. J'invite un artiste, on a une après-midi, on fait un son, c'est incroyable. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'immense honneur de recevoir monsieur Kikessa. Allô? Allô? Ouais frérot, ça va? Ça va bien? Ouais mec, t'es déjà arrivé, c'est ça? Ouais, bah en fait le truc c'est que tu vois, j'ai lancé le tournage et je pensais qu'on devait faire la vidéo ensemble, mais il s'avère que bah là ça, le temps commence à passer. Je me gare et j'arrive. Vas-y, gare-toi. Je t'attends. Je cherche une place. La caméra reste allumée. Tout le monde reste connecté. Salut YouTube. A tout de suite mec. Bon bah Kikessa est en retard dans sa propre vidéo, c'est fantastique ce qui se passe. Bonjour. Ça va mec? Salut. Ça va? Bonjour. C'est pour le Uber Eats, c'est ça? Salut, ça va? Je ressemble à un Uber Eats. Bonjour YouTube, comment allez-vous? Tout le monde s'est fait tester ici, vous avez envoyé vos tests à Barrette? Oui, c'est tout bon. Bonjour. C'est le pire début de vidéo. C'est normal, c'est YouTube. Coucou YouTube, comment allez-vous? Trop excité de vous retrouver sur ma... Pas du tout, c'est pas sur non, ma chaîne. Non, c'est pas sur ta c'est chaîne. C'est sur ta chaîne, ok. Oui, mais c'est parce qu'on est à la maison. Bah, oui, on est chez toi, donc forcément. Ça prête à confusion. C'est trop bien, ça veut dire que là, j'anime pas. C'est oui, toi qui anime. Là tu te laisses drive. Moi, je vais juste faire des trucs bizarres à côté. Ouais. J'ai pas de bandana. Oh my god. Oh my god. Mais vous n'êtes pas kické ça, monsieur? Qui êtes-vous? J'étais son homonyme. Il arrive. J'étais le Uber Eats, en fait. Imagine, j'envoie un gars tellement j'arrive en retard, j'envoie un gars avant moi. Hey! T'as failli niquer une croix. Bon, Kik, je suis trop content de t'avoir pour ce moi concept. Aussi, je suis désolé d'arriver que maintenant. Mais pas vraiment... de soucis. Est-ce que tu connais un peu le concept, tout ça? J'ai regardé la vidéo que t'as faite avec Ariston. Ouais, tu l'as regardé assez du coup... comme tout le monde finalement ici. Un running gag de ta vidéo. Ah, c'est. Ah ouais, les lunettes, c'est. Ça va, les lunettes? En vrai, la mienne était très sale, c'est pour ça. Genre, c'était vraiment très très sale. Bon, du coup, l'idée, bah, tu l'as très bien compris, là, on se capte cet après-midi. On va faire une prod ensemble, on va commencer une prod ensemble, on va faire un morceau, et puis on va le balancer, ça va être incroyable. J'ai super hâte, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire, mais j'ai super franchement, hâte de le faire en tout cas. J'ai envie de t'emmener sur un truc moitié banger, moitié single. Est-ce que ça te parle? Alors, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais vas-y. Bonjour, je travaille dans la musique. Non, la musique, c'est. Moitié banger, moitié single, fais apparaître les deux mots sur mes doigts, attention, ouais. Eh ben écoute, ce que je te propose, c'est on se met en mode composition, on se retrouve tout de suite. Bon, eh bien, c'est incroyable, on se retrouve donc sur FL Studio. J'ai trop hâte, je travaille jamais sur FL Studio. Oui, c'est vrai que toi t'es plutôt team Ableton. Ableton, ouais, moi je découvre vraiment, j'espère que ça va pas bugger, parce qu'en général ça bug. Quel enfer. Comment ça trash talk? En même temps, c'est fair, parce que dans le premier épisode, j'ai dit que les gens qui étaient sur FL étaient les vrais beatmakers. Donc là, si tu viens trash talk sur FL, t'as dit ça? Non. Ou wow. Qui t'a dit ça, mec, t'es malade, wow. C'est pas bien. De toute façon, les vrais beatmakers sont sur FL Studio. Arrête d'inventer des trucs, mec, là t'es en train de nuire à ma réputation, c'est chaud. Un peu, pas, tu vois, genre c'est. Tout le monde ici sait que ça va bugger, mais. Pas de problème. Bon, c'est parti. Du coup. Attends, petite gorgée, c'est important. À la tienne. Tu fais de la pub là? Non, on voit pas. Après, ouais. Si vous voulez envoyer un billet, surtout n'hésitez pas à Red Bull. Bon, comme je te disais, j'ai envie qu'on parte sur un truc un peu banger, tu vois. Ouais, banger et singles. Et singles, c'est exactement ça. Okay. Ça, c'est beau. Mais c'est quoi le BPM d'un banger? Et bah, justement, je pensais partir dans un truc très très rapide. Il monte. Ouais, là ça fait. C'est monté d'un coup, là. Genre, vers les 170, tu vois. Bon, là, c'est tombé au pif, j'ai mis 168, mais bon. Ok, vas-y. Genre, si on écoute. Tu vois, c'est rapide et je pense que tu peux. Hey, techno, là. Hey. C'est stylé là la prod là jusqu'à présent. La prod elle est incroyable mec. Hey 168 c'est bien, tu sais, c'est rapide, tu peux débiter à fond, mais en même temps, tu peux prendre le temps d'avoir un vrai refrain peut-être un peu plus mélodique. Ouais, c'est bien. Bon, en vrai, je vais me balader dans mes presets, je vais voir ce qui me parle. J'aimerais bien partir sur une petite Bells, instrument très classique, bien sûr, très traditionnel, mais ça fera le job. Gareth Bale. Quoi? C'est qui Gareth Bale? Tu connais pas Gareth Bale? Qui? Wouah, mais je suis quelque chose, tu connais Gareth Bale? Je pense qu'il doit connaître via FIFA, parce que je l'ai. C'est qui? C'est un joueur de foot? C'est un joueur de foot? Il joue au Real. Ah, moi, tu m'as blessé. Mettez dans les commentaires si vous connaissiez Gareth Bale. T'es à la fin, oui, on va avoir... non, allez-y. On va avoir des commentaires qui ressemblent à rien. Bon, allez, petite Bale, je vais la choisir vraiment au hasard. Putain, mais mec, mes cheveux là, c'est galère. Est-ce qu'un jour tu penses que tu te couperas les cheveux? J'ai failli là. Non! Je te jure. C'est vrai? Je me suis détendu. Tu peux pas tant que t'es artiste en vrai, non, c'est compliqué. Pas, j'ai failli les couper, ça me saoulait trop. Tu vois, j'aimerais bien partir ce genre de son. Ok, je pense que j'ai terminé, si on écoute. Elle est chaude. Tiens. Ouais, bravo.
Ça, je trouve que ça boucle pas mal. Je vais la mixer un petit peu et après on passera direct à la prochaine mélo. Je vais juste essayer de donner un poil plus de consistance à la mélo. Je vais la doubler avec un autre preset. En tout cas, j'aime bien parce que là, ça a ce côté archi accessible et un peu banger, tu vois, genre petite mélodie entêtante. Je suis assez d'accord. Assez d'accord, ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui est pas d'accord quand même. Non, je suis dans l'attente en fait. Ah, bah tu sais, ouais. Je me projette peu. Monsieur monteur, tu pourrais incruster mes cheveux à la tête d'Isos pendant qu'il fait ça parce que ça me divertirait vachement. Ça te va bien. En vrai, ça te va bien. Parle-nous, t'as rajouté quoi? Un petit X-Pan 2 là? Ouais, genre une petite mallette. Genre... Ah ouais, ouais, ouais. Tu vois un peu. Bien sûr. Mallette de cash. Ouais, ouais, c'est ça. Rappelez-vous les gens de YouTube là qui sont en train de dire dans les commentaires: ah là là, ils sont hyper proches tous les deux. Qu'on s'est fait tester, ouais, par mon papa. Négatif. Hier et c'était vraiment. Négatif. Là, j'aimerais bien rajouter une petite mélo, genre pour jouer, une contre-mélodie, genre. T'es du. Ça va, toi, là, moi, j'aime bien faire du son. Bah pareil, tu sais quoi, ouais, j'adore faire du ouais. son. Mais moi, c'est ce que j'adore. Vraiment, c'est un truc que j'adore. Vraiment. C'est fou comme j'adore ça. Bon, si on fait un petit point niveau mélo, pour l'instant, on a ça. Ouais, c'est carré en vrai. Ouais, c'est chaud. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça a un côté limite un peu enfantin, ouais, tu ouais. vois. En fait, on sait pas ce qui est dans quel instrument est chaque note, tu vois. Ouais. C'est un peu un mélange. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je pense on va rester très simple, tu vois. Vu qu'on veut un format un peu single, faut pas qu'il y ait trop de mélo. Je pense que je vais rajouter une dernière mélodie juste pour rajouter du rythme. On va rajouter genre des petits accords un peu à contretemps. Donc là, en fait, je vais juste rajouter des accords en contretemps. Tu sais, un peu en mode reggae, mais sauf que là, c'est du rap. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, et ça, en fait, c'est tout bête, petit détail en fond, mais vas-y, ça rajoute du rythme, tu vois ce que je veux dire? Ok. Je vais le doubler avec un truc, et après, on aura terminé pour les mélodies, pour être honnête. Tu vas le layerer? Est-ce que vous êtes kické ça, ou ouais, un ingénieur du son? Je suis abonné, mec, je suis abonné à ta chaîne, je regarde les tutos. Tu devrais bosser sur Ableton, tu serais vraiment une aide incroyable, parce que là, Eiffel... Et ben en vrai, je crois qu'on a toutes nos mélodies hein, pour le coup. Eh ben écoute, j'aime bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mini structure avec les mélos. Comme ça, toi, tu peux cash commencer à écrire, trouver des top lines. Ok. Et puis moi, pendant ça, je fais les drums. Et quand tu reviens, tu auras des drums banger in your head. Bah, je suis là. Du coup, c'est ok pour toi? Non. Ok. Bon, bah très bien, cette scène. Fin de vidéo. Isos. Bon, il y a Kikessa qui est parti écrire juste derrière. Kikessa, comment ça se passe pour toi? Attends, tu veux que j'écrive un couplet rap ou du chant tout le long? L'idéal, mais après, à voir comment tu le sens, c'est un peu de trucs kické, un peu de trucs chantés. Okay. Parce que c'est les deux trucs, tu sais, pour avoir le côté banger single. Je te livre ça, je vais te faire un couplet rappé et... Parfait, et là quand t'auras les drums, tu vas péter ton crâne. Ça okay, va être incroyable. Bah pète mon crâne alors. Bon, en tout cas, pour nous, c'est parti pour les drums. Et pour les drums, on va partir sur des drums assez rapides et surtout assez techniques. Parce que je veux des couplets qui débitent. Oh, avant de continuer plus loin, mec, on a oublié un truc, on n'a pas donné de nom à ce projet. Ah ouais, vas-y, attends, je vais trouver un nom. Appelle-le FIFA 21. C'est tout? Ouais, juste FIFA 21. Je le fais parce que c'est toi et que tu es mon guest aujourd'hui, mais je suis un peu déçu, je vais pas te voir. Ouais, je rigole, on va l'appeler. C'est trop tard. Non, appelle-la. Bon, attends, je réenregistre le projet. Appelle-la quand tu pars. Quand tu... Je sais pas comment, mais je vais le mettre dans un moment dans mon texte. Ok. Quand tu t'en vas. Bon, allez, c'est parti, on va continuer les drops de quand tu pars. Ce que j'ai envie de rajouter, ça va être cache des hi-hats pour donner du rythme. On va les faire vraiment rapides. On va jouer un peu sur les vélocités. En fait, ce qu'on va rajouter surtout sur les hats à chaque début de mesure, ça va être cette petite accélération. Et ça, direct, ça rajoute un truc. Ouh. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je vais peut-être rajouter une snare en vrai. Direct, rajouter des petits contretemps comme ça de ci, de là. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais rajouter plein de percs, genre un peu dans tous les sens, des percs un peu bizarres. Genre ici. Boum boum. Déjà, en termes de percs chelous, faut que j'en trouve. Oh, c'est... J'aime bien ça. Il y a moyen de le rajouter, je pense. Attends, faut que je trouve un endroit. Oh, c'est trop cool. Ça ajoute une petite touche sympa. C'est exactement ce que j'avais en tête. On avance trop bien. Ça avance bien pour toi niveau texte. Je te donne ma routine pour écrire un texte. Vas-y, dis-moi. Alors j'écris des idées ouais. qui me passent par la tête. Ouais. Tu brainstormes en fait. Des phrases, voilà. Et après je structure en fonction de si c'est du couplet, du refrain. Ok. Lourd. Pour l'instant, je suis en train d'écrire des phrases. Voilà. Trop lourd. J'écris des trucs vraiment qui n'ont aucun sens. Par exemple, là, j'ai écrit sur FIFA, tu prends 4-1.
Ça n'a pas aucun sens. Tu vois, c'est réel, c'est ce que je vais te mettre. Ce que je vais te mettre juste après le tournage, là, c'est ça? En fait, je m'adresse à toi, là, quand je dis 4-1. Pour moi, 4-1, c'est ton surnom. Imagine, t'as un pote qui l'appelle toujours 4-1. En tout cas, moi, là, pour le coup, j'avance pas mal la prod. Honnêtement, je pense, je rajoute 3-4 éléments, je suis bon. On va continuer dans la lignée des perks un peu chelous. Je vais rajouter des voix un peu classiques, mais pas classiques, en fait. Vous allez comprendre. Ouais, comme ça, c'est très, très, très cool. Pour le coup, ce genre de délire un peu foufou, je pense que ça va bien parler à Kik. C'est le genre de délire qu'il kiffe. On va rajouter un petit open hat. Parfait. Bon, très honnêtement, on avance très bien. Je pense que là, il va juste nous manquer un kick et une grosse basse. Et vous pensez quoi d'Isos Beat? Bon, allez, un peu de sérieux. Le kick, on va le faire taper, genre, assez régulièrement. On est quand même dans un format prod rapide, ça découpe ses techniques. Je suis en train de réfléchir pour la basse, je pense que je vais faire un truc vraiment fou. Genre, des cuts, des glides, des slides, des machins dans tous les sens. J'ai envie de la faire péter, en fait. Elle est trop bien, cette descente. Ok, je pense avoir terminé ma basse, on va s'écouter ça. Bien, écoutez, je pense qu'on a tous les éléments qu'il nous faut. Comme prévu, je vais faire un petit arrangement. On se retrouve juste après pour écouter ça. Bon, je viens de terminer de structurer, d'arranger, de mixer la prod. Là, j'ai tout fait. Ça m'a pris un petit moment. Mais en gros, là, j'ai rajouté des trucs. Il y a des trucs que j'ai enlevés. Il y a des trucs que j'ai mis en halftime. J'ai fait des transitions. C'est, franchement, je suis très, très content du résultat. Bah, maintenant, on va faire écouter ça à Kik. J'appelle monsieur Kik et ça. Ça va? Ça va et toi? Oui. Désolé, j'étais en train de regarder ta story Instagram. Important. Salut YouTube, ça va? Je vous ai manqué? Pas du tout. Mettez-le en commentaire. Dites-le, est-ce que je vous ai manqué? En gros, j'ai changé pas mal de trucs. Ouais, mec, j'ai hâte de découvrir les... Enfin, je pense que les drums vont te plaire. Parce que là, je vais te faire écouter pré-refrain, refrain, et tu vas me dire direct après si ça te parle. T'es chaud? Ouais, attends, t'as fait des drums normales ou t'es parti dans un truc caliente là ou je sais pas quoi là. Franchement, c'est rapide, c'est banger, mais je pense qu'on peut chanter dessus. Bon, je vais te faire écouter, on en parle juste après. Là, hop là. Là, ça sera le pré-ref. Ok. Et on va arriver sur le ref. La sub, c'est quelque chose, hein. Quel c'est prod. Ça que j'entends là, c'est toi qui a fait ça. Je t'ai posé sur mais ça là. Merde, quel prod. Est-ce que ça te parle? Ah, c'est très chaud, j'ai adoré ce que t'as fait avec la basse là. Ah ouais, ouais. T'as vu, elle est, tu vois, elle est un peu folle, elle a des jeux de très de machin. Et ça colle un peu niveau texte par rapport à ce que t'avais prévu. Alors, oui, mais là c'est plus refrain, donc ça m'a donné une top line par contre. Ah ouais. Et niveau texte là, t'as terminé? Là j'ai un couplet là, c'est bon, j'ai fini mon couplet. Ok, et bah refrain et gorek du coup. Et bah refrain et gorek. Vas-y, c'est parti, bah écoutez, les amis, nous on va terminer le morceau. Voilà. Kik va terminer d'écrire, on va rec ça. Et puis on se retrouve franchement juste après pour le résultat final. Le résultat final. A tout de suite. A tout de suite. En vrai, je suis trop content parce qu'en vrai là, concrètement, on a tout et je trouve le son très... En fait, ça va exactement dans la direction où je voulais aller. Ouais, c'est marrant. J'avais pas compris au début quand tu m'as dit... Ouais, mais tu vois, genre, tu vois les couplets banger et le refrain vraiment non, single, bien, gimmick, c'est donc c'est trop cool. Mais trop bien, bravo. Est-ce que tu es content du son? Je suis très content du son, effectivement. C'est vrai que les 90 premières minutes du match, j'étais pas dedans. Ouais, mais bah bon, ouais, le temps additionnel m'a beaucoup apporté. C'est important. Et ça m'a permis de mettre le but en question, quoi. C'est important. Bon, Kik, est-ce que t'as de l'actu à nous dire? Déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Est-ce que t'as de l'actu? Moi, vous pouvez me retrouver dans ce même studio sur ma chaîne YouTube Kikesa, K-I-K-E-S-A, qui s'affichera juste sur la tête d'Isos. Juste vous ici. Vous pouvez également me follow sur Instagram avec un max de contenu attractif sur Kikesa Off. Vous pouvez me retrouver un peu partout.
C'est la pire phrase. Ok, non, vous pouvez principalement me retrouver sur YouTube, Instagram. Et voilà, et là de, on fait de l'actu en ce moment, un ouais, truc en particulier sort. Alors je fais des DDH, c'est-à-dire des vidéos sur YouTube quasiment tous les dimanches. Ceux qui suivent ont capté pourquoi est-ce qu'on a ralenti un peu le rythme, mais on est là. Et je sais pas quand cette vidéo va sortir, mais va quand même sur la chaîne kicker ça pour aller te divertir de façon musicale. C'est important, ça fait vraiment 5 minutes que je suis en train de... C'est bizarre de d'éponger faire ça. Le oui, effectivement, c'est vrai que bon... Vraiment, c'est un enfer. J'en ai mis beaucoup. J'en ai mis énormément. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Oui. Ça nous permettra moi, je vais de voir tout si lire. Vous avez kiffé le son. Je vais tout lire. Mettez tout dans les commentaires, sachez que je vais lire chaque message. Chaque message sera lu. Ça ferait super plaisir, surtout n'hésitez pas à laisser votre plus beau pouce bleu sur cette vidéo. C'est toujours super encourageant, surtout pour ce nouveau format pour moi. Voilà, si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner et activer les notifications. Comme ça, qu'est-ce qu'ils auront s'ils activent les notifications? Alors, je sais pas ce que eux ils auront, mais toi, t'auras beaucoup d'argent. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, c'était vraiment super bon délire. Encore merci à toi, Kik. C'était un plaisir, vraiment merci à toi. À la prochaine. T'as un truc de au revoir? Ouais, moi c'est c'était Isos, et tu peux dire Kik et ça. Oh, à la fin, Clé. Isos et Kik et ça. A bientôt pour le duo. C'est toujours ton gars qui le gars de Nancy qui fait des classiques en une après-midi. J'suis plus chaud que tous ces gens. C'est pour ça qu'il s'agite, c'est sans doute pour ça qu'il panique. Plus technique que Magic Johnson, j'arrive en retard, j'suis toujours en mouvement. Aller-retour, genre Paris Compton. Putain, c'est magique, change de flow comme change de lunettes tous les matins. J'ai un Death Note sur un calepin, pour ça que dans la vie j't'ignore et que sur FIFA tu prends 4-1. J'marque un but contre mon camp pendant que j'écris un 4-1. N'en fais pas le malin, j'fais qu'optimiser mon temps. Tu as beau penser que tu brilles dans le noir, moi je n'entends que du bruit. Personne ne t'écoute quand tu parles. Je gagne et tu perds.